La dépouille du professeur Joseph Owona vient d'entamer son dernier voyage pour l'éternité. Ses derniers hommages lui sont rendus par la famille, amis et connaissances qui répondent présents à la cérémonie de la levée de corps ce 16 janvier 2024 au Funerarium Essissin 190 en France. Pour la circonstance, l'office religieux est dit par le père Yves-Maurice Zambo, en présence d'Angré Magnou Sekoumou, ambassadeur du Cameroun en France. L'enseignant émérite de droit public, professeur agrégé des universités, qui définitivement la scène dans la ville de Bordeaux à l'âge de 78 ans, des suites de maladie le 6 janvier dernier. Originaire d'Akom, dans l'arrondissement de Mvungu, département de l'Océan, région du Sud, le professeur Joseph Owona, avant son décès, occupe tour à tour des hautes fonctions au sein de l'administration et de l'appareil gouvernemental du Cameroun, notamment directeur de l'IRIC, ministre de la fonction publique, ministre de l'enseignement supérieur, secrétaire général de la présidence de la République, ministre délégué à la présidence chargé du contrôle supérieur de l'État, ministre de la santé publique, ministre de l'Éducation nationale, ministre de la Jeunesse et des Sports, président du comité de normalisation de la FECAFOOT et membre du Conseil constitutionnel jusqu'à son décès.